gagné Ballon d'Or là qui l'a gagné nominé et Ballon d'Or qui ba nominé yo et grand favori hein. Moi gon gros hype pour Vinicius on va comprendre ça qui passé en tout cas on nous est nominé Ballon d'Or 2024 là gagné Jude Bellingham à Kankalanoglu qui joue dans Inter, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo qui joue dans Bayer 04 Leverkusen, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez qui c'est Dibu Martinez, Lautaro Martinez attaquant Inter Milan, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal. Bon, premier constat pour nous faire, c'est que gagner un pile gros absent dans l'ISA. Gros absent yo, c'est devant pas tourner derrière caillou gros absent yo par exemple gain Lionel Andrés Messi c'est pour la première fois équipe Messi champion non seulement Messi pas fini meilleur joueur tournoi OK et deuxièmement Messi pas nominé Ballon d'Or m'a rappelé une année Argentine ou bien Barcelone champion Mbappé de Paris là-dedans, Argentine, Barcelone, ok? Champion, pour Messi, pas fini meilleur joueur tournoi ou bien compétition que équipe en champion. Ça fait une. Et deuxièmement, c'est pour la première fois, équipe Messi champion pour saison Ballon d'Or, là, ok? Pour saison. Et côté que y a bail nominé Ballon d'Or yo, et puis Messi pas dans la liste nominé Ballon d'Or depuis 2003 c'est pour la première fois Messi et Cristiano Ronaldo ensemble yo pas dans la liste nominé Ballon d'Or c'est devant pas tourner derrière caillou et ça veut c'est preuve que nous non l'autre période et puis gen l'autre monde qui pas présent encore par exemple on est comme Mohamed Salah n'est pas présent. Liverpool avec Égypte pas fait grand chose. Liverpool défini troisième. Liverpool champion seulement coupe de la Ligue anglaise, ok. Mais Liverpool en coupe l'Alba. Liverpool champion, le championnat. Liverpool champion et puis Égypte pas fait un gros coupe d'Afrique des nations. Et l'autre monde encore qui pas là, par exemple. L'autre monde qui parle là, et pour nous citer non gros joueur football qui parle dans la liste 30 ans, gagné, alors nous dit Mohamed Salah, gagné par exemple, Kevin De Bruyne qui parle dans la liste là. Kevin De Bruyne, malgré Manchester City championnat, mais Kevin De Bruyne a joué un mauvais, et Coupe d'Europe. Kevin De Bruyne était une mauvaise Coupe d'Europe des Nations. Et l'autre monde qui parle dans la liste encore, Angel Di Maria, qui parle dans la liste 30 nominés, qui joue une belle Coupe América, mais malheureusement, monsieur parle dans la liste nominée. Il y a Luka Modric qui parle à tout, qui était une mauvaise Coupe d'Europe. Ok? Il y a Virgil van Dijk dans Liverpool qui parle là. Jérémy Frimpong qui a joué dans Bayer 04 Leverkusen. Rafael Leao qui est dans Milan AC. Robert Lewandowski qui est dans Barcelone, et puis Neymar qui n'est pas là. Bon, Neymar qui n'est pas là, il n'est pas étonné personne, parce que c'est pas. Il vit nos habitudes, Neymar qui n'est pas dans 30 nominés. Il vit nos habitudes, et Neymar qui était blessé tout, il faut nous dire, bah là, Jean Lia, il fait quasiment toute saison blessé, et puis l'autre monde qui n'est pas là encore, bah ça, on désordre, oui. Nous avons dit, j'en sous-côté tout. Et c'est Rodrigo. Bon, c'est dans toute superstar Real Madrid. Yo. Et Rodrigo, c'est un joueur qui moins attiré attention la presse. Pendant que, bon, Rodrigo n'est pas un gros joueur.
Mbappé un gros joueur pour moi, Rodrigo. Ça, c'est senti peut-être. Mais Rodrigo pas un mauvais joueur tout. Ok, Rodrigo sont bons joueurs de football. Ben c'est avec ça Real Madrid fait, Rodrigo Teka présent dans la liste nominée. Et donc, son liste, alors, pour nous retourner sur le monde qui est absent, devant pas tourner des cailles, parce que il y a pile monde que, il y a pile gros nom là, nous pas attendre, Robert Lewandowski surtout. Et en football, tout va vite. Tout va vite en football. Et regardez, nous en 2024. Et c'est, il y a de cela, pas même deux ans, que Messi est champion du monde. Et puis, quand l'autre joue encore, nous pensons qu'ils sont gros footballeurs. Même l'aime pas, les fanatiques jouent sur Facebook. Mais c'est la réalité. Julian Alvarez. Alors, tête, moi, la tire attention. Julian Alvarez, et tout ça le fait avec City. Les champions du monde avec Argentine. Vinicius est fini devant lui, dans le classement Ballon d'Or. Ça veut dire que Vinicius, alors, m'a parlé de dernier Ballon d'Or 2022-2023. Manchester City fait triplé. OK? Real, pas de fond gros saison. C'est Barcelone qui était champion. M'a parlé 2022-2023. C'est Barcelone qui était champion. Real, pas de point Ligue des Champions. C'est City qui était point Ligue des Champions. Malgré ça, Vinicius est fini devant Julian Alvarez dans le Ballon d'Or. Et ça veut dire que grande dimension à Julian Alvarez, c'est pas gain. Je suis désolé, fanatique argentino. Et dimension à Julian Alvarez, c'est pas gain. Et monsieur, m'a veillé là l'Atletico. Ou aime beaucoup parler de lui. M'a veillé là l'Atletico. Monsieur beaucoup fait goal, il beaucoup fait passe décisive. C'est nous dit il pas gain de jeu dans City. Bon, moi qu'on y a là le gain de jeu dans l'Atletico. Il peut qu'on fait goal, il peut qu'on fait passe décisive après 4 journées de championnat. Et n'a veillé toujours. L'autre bagage nous qui pour nous parler, Lisa, les chargé joueur Real Madrid la donne et les chargé joueur Real Madrid la donne. Et Sindaga garder joueur Real Madrid qui la donne. Et Jude Bellingham fait 1, Dani Carvajal fait 2 et Toni Kroos fait 3. OK, pour ça nous bon Toni Kroos qu'on traité mais c'est dans exercice censé pour Real Madrid d'étape jouer. Kylian Mbappé fait 4. Dans moment il s'en sorti à Kylian Mbappé c'est joueur Real Madrid. Kylian Mbappé fait 4. Gagné Antonio Rudiger qui fait 5. Et puis gagné Antonio Rudiger qui fait 5, Federico Valverde fait 6. 6 joueurs Real Madrid qui dans liste là. Mais c'est là, je trouve que il y a une incohérence. Qui ça Valverde fait en plus ou n'est-ce pas Rodrigo? Qui ça Rudiger fait en plus Rodrigo? Il y a une incohérence. Je pense que Rodrigo est là. Rodrigo est là quand même. Et oui, mais sélection. Et Rudiger n'a pas fait grand-chose avec l'Allemagne. Rudiger fait un quart de finale. Il y a un passage honorable. Et Federico Valverde n'a pas fait grand-chose avec Uruguay. Oui, il finit troisième, mais c'est bon. Et vous regardez sur ça, comme, bon, et Rodrigo pense le payer et mauvais passager à Brésil. Et Rodrigo paye mauvais passager à Brésil. Nous sommes capables de dire comme ça. Quand on a regardé joueur Manchester City, dans l'Islande, dans joueur Manchester City, il y a Ruben Dias, il y a Phil Foden, il y a Erling Haaland, fait 3. Gagné ça fait 3 joueurs Manchester City. Et qu'on nous garde anglais et espagnol, c'est très important. Anglais et espagnol, Jude Bellingham anglais et Dani Carvajal espagnol fait 1-1. Phil Foden anglais fait 2-1 pour l'Angleterre. Harry Kane fait 3-1 pour l'Angleterre. Et Dani Olmo fait 3-2. Cole Palmer fait 4-2. Declan Rice fait 5-2. Rodri fait 5-3. Bukayo Saka fait 6-3. Bukayo Saka fait 6-3. Nico Williams fait 6-4. Donc, il y a plus anglais que espagnol. Là encore, son lot est saisissement.
Et il y a plus anglais que espagnol, et 6 anglais et 4 espagnols qui dans l'Islande. Et l'autre aspect que nous avons regardé, nous regardons les favoris. Parce que les noms qui là, c'est remplissage que oui. Comme il faut que vous ayez 30 noms, vous ayez 30 noms. Et par exemple, Kanadoglou, son bluff. Et Ruben Jassa, son bluff. Dov Bik là, son bluff. Dov Bik pas qu'à ballon d'or. Nous avons bâti nos menti. Grimaldo a pas qu'à ballon d'or. Erling Haaland pas qu'à ballon d'or, c'est ça. Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Mounza pas qu'à ballon d'or. Emiliano Martinez pas qu'à ballon d'or. Alors, n'est qu'à pas les Emiliano Martinez Malio. Nous sommes un gardien. Et c'est seul Emiliano Martinez qui l'a, oui, comme gardien. C'est seul Emiliano Martinez qui l'a dans 30 nominés. Dans gardien comme gardien. Donc, alors, Carlos Chéri dit si c'est anglais, si c'est espagnol, à moins que je me fasse une erreur. Et dans liste qui devant. Ok, Lamine Yamal. Je ne vais pas te compter Lamine Yamal. Merci, merci, cher ami. Et guerre de français, c'est Mbappé avec William Saliba. Oui, seul Emiliano Martinez comme gardien. Et malgré l'Aston Villa, malgré le patron Ligue des Champions, et ça a bon une idée du poids de la Coupe América. Emiliano Martinez, c'est le seul gardien qu'il a dans la liste nominée. Et bon, nous finissons avec nominé. Bon, favori, nous connaissons, nous avons déjà. Mais moi fait moi super favori c'est Vinicius Jude Bellingham avec Rodri qui est Rodrigo tout mais c'est Rodri l'espagnol et puis deux favoris c'est l'argentin et Lautaro Martinez et puis on capable dire Dani Carvajal c'est 5 Munzao. Trois super favoris et deux favoris qui gagnent dans liste là. OK? Et après ça, pas gagné grand chose véritablement. Alors, gagne l'autre liste encore qui sorti. Et par contre, sous gagne liste ça au JFT, gagne l'autre liste encore qui sorti. Et liste meilleur jeune joueur de l'année. Bon, côté mesdames, on pas quoi besoin mettre liste nominée. Et parce que nous pas véritablement contre Josio mais ça seulement nous a dit bon Mati capable prendre ballon d'or encore une fois et puis toujours dans nominé ballon d'or gain quelques noms et pour nous tabaille définitivement internet là bon problème. Et nous avons fait nominer Ballon d'Or, gagné meilleur gardien. Nous avons fait liste meilleur gardien. Dans liste meilleur gardien, je pense que si un gardien est capable de prendre, c'est Emiliano Martinez qui est capable de prendre. Parce que dans tout gardien honnête, c'est monsieur qui fait et en club et en sélection en saison plein. En sélection, monsieur champion Copa América. OK? En club, monsieur remporté et alors monsieur qualifié Aston Villa pour la Ligue des Champions. Monsieur fini en 4e position. Oui, trophée Achille et trophée Achille c'est trophée meilleur jeune joueur. Et trophée Achille, gain trophée Achille, gain trophée Copa. Trophée Copa c'est meilleur jeune joueur. Trophée Achille c'est meilleur gardien. Et trophée Achille nous garder l'avant. Et pour moi, c'est Emiliano Martinez qui a pris. Je vais dire pour qui ça. Diogo Costa, gardien Portugal. Gianluigi Donnarumma, gardien Paris Saint-Germain Italie. Grégoire Kobel, qui sont Suisses. Bon, les gars, même là-dedans, même que Grégoire Kobel, sous bonne la Suisse. C'est gardien Borussia Dortmund. André Lounine, qui a fait camp pour Real Madrid. Bon, comment on réserviste pour finir meilleur gardien. Et Mamadou Dajvili, qui a fait camp dans Valence. Monsieur a fait, monsieur son bon gardien, mais malheureusement Valence pas fait résultat escompté. Emiliano Martinez, Unai Simon, mon gardien encore qui a. Mais cette bataille là elle fait entre Emiliano Martinez et Unai Simon. Pourquoi ça Unai Simon? Unai Simon finit meilleur gardien
Liga 2023-2024. Unai Simon champion avec l'Espagne. Ces deux gardiens ça va faire bataille pour compte qui est ce cap trophée à Chine saison ça. C'est très important Unai Simon avec Emiliano Martinez. Et puis l'autre monde encore qui l'en bataille c'est Yann Sommer. Mais pour Diab Yann Sommer et pour ça nous dit pour Diab Yann Sommer pas joué en gros coupe d'Europe. Et il va jouer en Coupe d'Europe malheureusement et c'est ça qui fait que nous pas qu'à trop parler de lui. Il joue une belle saison avec Inter. OK, c'est Inter qui était fini meilleur défenseur mais pas quoi que la peser lourd dans balance. Bataille là c'est Emiliano Martinez avec Unai Simon. On tient avantage pour Unai Simon. Parce que monsieur champion avec l'Espagne pendant que il finit meilleur gardien Liga. N'a pas rappelé que meilleur gardien première ligue là c'est portier Arsenal là. Et qui c'est lui même tout en espagnol. OK. Et malheureusement monsieur pas là. Monsieur pas en liste et nominé trophée à Chine. Alors trophée à Chine en 2019 c'est Alisson Becker qui était prend. Et c'est Alisson Becker qui était prend en 2019. En 2021, Gianluigi Donnarumma te pren. En 2020, nous connaissons pas de bail Ballon d'Or. En 2022, Thibaut Courtois te pren. 2023, Emiliano Martinez te pren. Pour faire la Chine. OK? Et donc, en 2024, là, nous avons regardé qui est-ce qui est capable de remporter le trophée à Chine. Trophée à Chine, c'est trophée meilleur gardien de la saison. Et trophée meilleur jeune joueur, trophée Copa. Qui moun nou pense k'ap pran? Pour moi c'est Lamine Yamal k'ap pran. Ça c'est ça dit peut-être. C'est Lamine Yamal y a bay li. Pau Kubarsi c'est nominé. Alejandro Garnacho dans liste, Arda Güler, Karim Konaté, Kobbie Mainoo k'ap joue dans Manchester United, João Neves qui joue dans Paris Saint-Germain, Savinho et Savinho cap joué dans Manchester City qu'on a mais qui était dans Girona la saison dernière, Mathis Tel qui dans Bayern Munich, Lamine Yamal qui dans Barcelone et Espagne, Warren Zahir Emery qui sont français et cap joué dans Paris Saint-Germain. OK? Là monsieur et moi c'est Lamine Yamal, ça il s'en dit peut-être. Et Lamine Yamal, excellent. Non. Alors, trophée Copa, c'est trophée au bail des joueurs qui gagnent moins que 21 ans. C'est ça que fait par exemple Patner Baladon. Et Nico Williams. Nico Williams gagne plus que 21 ans. OK? Dernier monde qui dépend là, c'est Jude Bellingham qui dépend. Critère aussi performance individuelle et collective. OK? Classe du joueur, ça a relé. Et fair play là. Et puis faculté pour un score dans la durée. OK, jury en composé et alors en 2023 et jury en composé des anciens vainqueurs du Ballon d'Or. Par exemple Messi, Cristiano Ronaldo, Matheus, c'est moun sa qui voter, c'est pas journaliste qui a voté, c'est moun qui était Ballon d'Or déjà. Yo tout entré mais c'est moun qui vivant. Ça qui mouri yo. Et yo pa ka voter. Donc Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema. OK? Et Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, c'est moun sa k'ap voter. Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Mathias Sammer, on est tant Franz Beckenbauer, li mouri, il pa ka voter. Et Roberto Baggio, Gianni Rivera, Fabio Cannavaro, Kevin Keegan, Michael Owen, Oleg Blokhin, Andrei Shevchenko, Igor Belanov, Cristiano Ronaldo avec Luis Figo. Parce que Mozambicain, M. Moui, M. était Ballon d'Or en 62. Rappelez-moi le nom de tête, ou l'emboule. C'est le premier Portugais qui Ballon d'Or. Public n'a pas le voir, il n'a pas le voir. M. fait Mozambique, mais à l'époque, Mozambique, c'était une colonie portugaise. M. était toujours pour Portugal. Ma vina non talor, bien public la voye le bon mwen. Deux Néerlandais, Van Basten avec Kurt Gullit. Deux Portugais, Cristiano Ronaldo avec Luis Figo.
Luka Modric, Messi, Risto Stoichkov, Alan Simonsen, Denis Law, George Weah, Eusebio, merci, c'est Eusebio. Et Denis Law, George Weah, et puis Pavel Nedved, Mounsayo, c'est eux qui vont le faire, et jury, c'est eux qui vont le voter, qui est le petit jeune Zayo qui a fini meilleur joueur. Mais là, pas même un débat, c'est la mine à mal qui a pris. Et si on pas retirer la mine à mal dans le concours, jusqu'à ce que M. 21 ans la prenne, dans le volume football, moi, M. Abbaïla, dans un monde qui a moins que 21 ans, pas un monde qui a joué plus bien que lui. Et Cole Palmer, qui a 21 ans, et un paquet de joueurs qui a 21 ans. Oui, c'est Eusebio, merci beaucoup. Public, là, tu as envoyé le bon moi. Quand on a regardé palmarès Trophée Copa, en 2018, Kylian Mbappé était prêt. Ok. En 2019, c'est Matisse Delit qui était prêt. En 2020, nous connaissons pas de bail ballon d'or, nous était tout pas bail trophée ça. 2021, c'est Pedri qui était prêt. 2022, c'est Gavi qui était prêt. 2023, c'est Jude Bellingham qui était prêt. Donc pourquoi qu'on joueur qui prend distinction ça deux fois et faut nous dit tout que Jamal Musiala qui pourquoi j'aime prendre les deuxième une fois, les troisième deux fois. OK, donc l'autre trophée encore, il y a deux trophées au Vinavelli, c'est meilleur entraîneur masculin et meilleur entraîneur féminin parce que c'est 8 distinctions au bail. C'est 8 distinctions à bail. Mais c'est ballon d'or là qui va attirer attention tout le monde. Mais au bail 8 distinctions, OK? Et il y a rentré deux nouveaux distinctions, c'est entre meilleur entraîneur de l'année masculin, meilleur entraîneur féminin. Alors ça les masculins et féminins hein? C'est pas une question de sexe, non? Entraîneur garçon, ça veut dire équipe football garçon, yo. Bon, nous beaucoup j'aime moins ça qu'on fille à entraîner équipe football garçon. Ok, nous beaucoup well. Mais les garçons qu'entraîner équipe football femme. Les autres entraîneurs féminins, hein, c'est pas sexe entraîneur qui est important. C'est qui équipe ou à entraîner. Est-ce que c'est équipe garçon ou bien c'est équipe femme? OK. Et entraîneur équipe masculine, c'est pas entraîneur de sexe masculin, c'est deux bails différents. Bon, comme nous beaucoup j'aime moins ça que fille entraîneur équipe et garçon, mais c'est entraîneur équipe masculine. Xabi Alonso qui font gros travail, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente, Gianpiero Gasperini, Pep Guardiola, Lionel Scaloni. Le problème moi gagné à 6 moun sa yo, c'est combien de GFT? C'est 10, OK. Premier constat me fait gagne sélectionneur là, gagne entraîneur de club. Pour moi gagne une grande différence leur sélectionneur avec leur entraîneur de club. Sélectionneur là, ou a joué maximum qu'a joué 8 matchs. OK, on va jouer 7 matchs dans un grand tournoi. On nous prend quelques matchs amicaux. Maximum on va jouer 15 matchs l'année. Grand maximum son année ou bien son saison, on va jouer 15 matchs. Mais on entre dans deux clubs avec club là chaque jour. Il y a plus exigence.